Ça fait de nom. Des super guerriers. Demi-portion. RACHID. Écoute ça. Entre Sangoku et Vegeta, tu m'as posé la question, moi je dirais je suis une fusion des deux. Sangoku, mais même si on est cool, on a un côté Vegeta, t'as vu? Ouais, la tenue, orangé, c'est Sangoku, on va dire ça. Plus le... Ouais, le gilet, le fameux gilet. Après, tu vois, c'est un manga qui ça se relie, tu sais. Vegeta, il comprend que, tu vois, Sangoku, il est cool et... Voilà, on est dans la même famille, quoi, tu vois. Tu peux pas faire de comparaison. Dans les premiers épisodes, tu vas dire, ouais, il est méchant, mais après, voilà. Tu vas dire, mais... Il peut être Vegeta aussi, on peut le comprendre à des moments. Donc du coup, Sangoku, mais fusion quand même. Oui, j'avoue que l'on avance en repoussant les coups. À part la vie, on a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, joue fragile mon tour. Ceux qui partent ne reviennent pas comme Sangoku. Si je devais comparer Vegeta à un rappeur français, je dirais Moncles. Ouais, c'est un bon. Passe bien Moncles. Juste les cheveux un peu. On a capella ou on kick ou sinon on tape des mains. Comment l'envie se mélange? Est-ce que le biz m'appelle? Juste un album peinard, sous une ambiance ou ting. Mon méchant préféré, Freezer. Parce qu'il a fait galérer quand même, tu vois. Il était coriace. À part la vie, on a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, je suis fragile mon tour. Avec mes 7 boucles de freestyle, tu sens tout court. Ben, si j'y réunissais les 7 boucles de freestyle, je ferais quoi? Je vous mettrai tous bien.